Une étoile de corail, charnue, au goût iodé, à Ajaccio, la saison des oursins a enfin commencé. Ici, l'oursin est la gourmandise de l'hiver. Les Corses sont impatients d'y goûter. On est accro à ça. On a été élevé à ça. On a été... Alors que ma femme, elle a été élevée au saucisson. Les oursins, c'est des produits maintenant de luxe, comme tout. Tout ce qui devient rare est plus cher. Les oursins sont plus chers qu'il y a 10 ans en arrière, où on les achetait à 4 euros la douzaine et que maintenant, elles sont à 6. Comment on peut l'expliquer, ça? Ah ben, c'est le coût de la vie. Hein. On est passé à l'euro, ça a impacté surtout. Hein. L'oursinade est un rendez-vous populaire. Dans les années 80, déjà, les Ajacciens parlaient d'inflation quant au prix de ce produit de la mer. Question prix maintenant, 10 francs la douzaine cette année. Hier matin, sur le marché d'Ajaccio, les premiers arrivages ont trouvé rapidement des acquéreurs. Pourtant, les oursins sont toujours aussi appréciés et font presque partie du patrimoine de l'île. Moi j'adore ça, ça fait partie de ma culture, de mon éducation. Je n'étais pas revenu en Corse depuis 5 ans, donc la première chose que je voulais faire, c'est manger des oursins sur le port d'Ajaccio et je vais me régaler. Dans ce restaurant, il faut compter 11 euros pour la douzaine d'oursins. Eh, voici mesdames, bon appétit. Merci. Sur les plages, certains préfèrent les pêcher eux-mêmes en se jetant directement à l'eau, comme autrefois. J'ai pêché les oursins avec mon fils, le temps était clément, il s'y prêtait. Donc on s'est dit, on va se faire une oursinade avec la famille, c'est sympa. Dehors, le soleil, il y a tout ce qu'il faut, la mer. Sous le soleil, en terrasse ou sur le sable, les Ajacciens sont toujours aussi nombreux à déguster les oursins et peuvent encore en profiter jusqu'au 15 avril.